Voilà, allez, attention à ce départ. Voilà, c'est parti. Avec Victor Barral qui a pris un bon départ, voilà, extérieur. Hein. Pourtant, on dirait que l'extérieur, bien, vous avez plus de chemin à faire. Eh bien non, c'est la partie la plus faible, où il y a le plus d'adhérence. Et voilà, ce qui fait que Victor est sorti en fait de cette manche qualificative. Alors attention, parce que derrière, vous voyez, ça va chasser davantage. Que vous soyez en voiture ou autre, c'est pas plus facile de doubler. Alors, donc, Victor Barral, pardon, deuxième position, Nicolas Archange. Il est revenu de la deuxième ligne pour prendre la troisième place. Oh, attention Victor! Oh là 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 là! Victor qui était un petit peu en difficulté sur la relance. Et bien sûr, Gilles Pardon derrière en a profité pour revenir sur Victor Barral. Encore une photo ou deux comme ça, et eh bien je crois que Gilles va passer parce qu'il n'y a pas grand chose entre Victor Barral, Gilles Pardon en deuxième position, Raphaël Bertola troisième avec le numéro 48, Nicolas Archange quatrième. Allez, c'est reparti pour Victor Barral qui a repris 62 centièmes. Allez, nouveau passage de Victor Barral qui vient de faire le meilleur temps, 41,88. Ah, c'est beau là, la ligne droite. Incroyable, ça va très vite. Pardon, toujours deuxième, Raphaël Bertola, 3, Nicolas Archange, 4, Alexis Béal, 5. Avec Sabatier, la 10e place, 7e, yeah, 8e. Voilà, Gilles Pardon, numéro 35 en tête. Ah ouais, Victor, je crois qu'il est arrêté là-bas. Ouais. Allez, avec Gilles Pardon. Il a pris le meilleur maintenant dans le dernier tour avec le numéro 35. Raphaël Bertola en deuxième position. On va aller voir à la sortie maintenant. Mais voilà, Pardon. Nicolas Archange, deuxième. Ouh là, Raphaël Bertola qui ne sait pas. Troisième, quatrième pour Alexis Béal.